Stop aux sorciers numériques. Cette injonction est le nouveau slogan qui accompagne la campagne nationale en ligne tous responsables, lancée le 24 juin. L'initiative est menée conjointement par la Direction générale de la communication et des médias du ministère de la communication et l'ambassade des États-Unis. En ligne tous responsables engage la lutte intense contre la désinformation et vise également à protéger les citoyens en ligne. Ce slogan est un appel à l'action pour chaque citoyen, une invitation à jouer un rôle actif dans cette lutte contre la désinformation. Ce slogan incarne enfin notre détermination à combattre la désinformation et à promouvoir le questionnement, le doute intellectuel. Nous dit-on à la leçon, comme dirait le philosophe, afin de créer un vrai réflexe de vérification de toute information, quelle qu'elle soit. La désinformation constitue une menace mondiale pour la stabilité de nos sociétés. Bien entendu, les campagnes de désinformation ont presque quadruplé depuis 2022. La plupart d'entre elles étant parrainées par les États étrangers. Ensemble, nous faisons fort comment dans nos efforts pour lutter contre la manipulation de l'information. Placé sous la présidence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, celui-ci a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir des pratiques numériques sécurisées et renforcer les capacités des institutions ivoiriennes en matière de cybersécurité. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer justement de l'entreprise les plus fiables. J'invite donc chacun d'entre nous, à se joindre à cette initiative, à s'engager activement et à contribuer à l'édification du Code noir ou la vérité. Et je vais t'écouter, primaire. Pour rappel, la phase pilote de ce projet a permis de recueillir des données selon lesquelles 99% des Ivoiriens prennent pour première source d'information Internet et les réseaux sociaux, bien qu'ils ne leur fassent pas totalement confiance et connaissent très peu les actes répréhensibles sur Internet.